Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a encore du flou autour de tout ça. On se dit, tiens, qu'est-ce que je prends? Je prends des gélules? Est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Il y a encore un petit flou, finalement, pour les gens, pour le grand public. Parce que les gens, comme le disait Fred, pensent vraiment, quand ils vont prendre des compléments alimentaires, ils font ça comme s'ils prenaient des médicaments, alors que ce ne sont pas des médicaments. Et quand je dis compléments alimentaires, entendez bien que c'est très important. Parce que l'être humain, il est robuste et solide quand il mange bien, parce que dans son alimentation, il va trouver tous les éléments pour se construire et résister. Comme aujourd'hui, l'alimentation est carencée en vitamines, en minéraux, en enzymes et tout, même si on mange bio, même si on mange bien, si on fait attention, on est carencé. Donc, il faut prendre des compléments alimentaires qui vont vous amener des vitamines, des minéraux. Et on l'a vu actuellement, quand il y a eu cette crise sanitaire et tout, on tombe malade. Pourquoi ? Parce que quand il y a un microbe ou un virus qui passe, si vous êtes fragile, si vous avez un système immunitaire faible, boum. Et moi, je donne une image. Vous êtes seul dans la rue, il y en a 10 qui arrivent contre vous, ou sinon vous faites frapper. Ils sont 10, vous êtes 100, vous avez peur de rien. Et le système immunitaire, c'est la même chose. L'image, elle fonctionne. Donc, il faut renforcer son système immunitaire. Et on a eu, nous, pendant la crise, un accroissement de commandes de gens qui ont compris que des éléments simples comme les produits de la ruche, la gelée royale, la propolis, le pollen, comme la vitamine C, et d'ailleurs, j'ai des gens illustres qui ont pris notre vitamine C, liposomale, qui ont été améliorés. Quand vous avez tous ces éléments, quand vous avez de la vitamine D aussi, une substance qui va renforcer le système immunitaire, quand vous avez de l'extrait de pépins de pamplemousse qui est un antibiotique naturel, vous êtes fort. Et donc, ce que je veux dire aux gens aujourd'hui, ceux qui se sont laissés surprendre lors de cette crise sanitaire et tout, c'est devenu soudainement. OK. Mais là, puisque peut-être, on ne sait pas sur une deuxième vague. Peut-être. On laisse planer le doute et on entretient la peur chez les gens. Mais dans le doute, renforcez votre défense immunitaire aujourd'hui. Si la deuxième vague arrive, vous serez costaud. Si la deuxième vague ne vient pas, vous aurez encore beaucoup plus d'énergie. Bon. Et juste pour dire, j'étais il y a 2-3 jours avec Chantal Latsou, là, j'ai dîné avec elle. Humoriste, comédienne, bien sûr. Ouais. Tout, qui disait, depuis que je prends tes pilules, tous les gens me disent, quelle énergie tu as, elle en fait 3-4 films en même temps, elle déborde d'énergie. Vous voyez ? Voilà. Mais... Et donc, grâce à toutes ces petites pilules qu'on a données aux gens pour renforcer le système immunitaire, on a eu l'immense honneur et la fierté de recevoir dans nos locaux, il y a 3 semaines de ça, Monseigneur, et qui, la semaine dernière, nous a fait l'honneur de venir visiter notre unité de production en Italie. Le prince Albert, oui. Pour vraiment voir la différence entre les compléments alimentaires normaux et les compléments alimentaires phytocantes. Voilà. Et vous savez ce que je...